Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite présentation de produits hein, suite à une commande que j'ai passée récemment. Donc, en fait, c'est des produits évidemment coup de cœur, hein, comme toujours. Et ça concerne voilà, la boutique de thé hein, qui se trouve en page 12 hein, du catalogue. Qui est paru début mai, hein, le nouveau catalogue annuel. Alors, dans cet assortiment de collection, nous avons les tampons en résine, hein, tasse de thé. Hein, en tout, vous avez 20 tampons. Je vais ouvrir tout ça hein, tout à l'heure avec vous, évidemment. Nous avons les matrices de découpe associées. Donc, en tout, nous avons 17 matrices de découpe. Nous avons évidemment le papier de la série Design qui fait 15 cm par 15 cm. Et pour finir, les cartes et enveloppes. Donc en tout, il y a 20 enveloppes et 20 cartes. Alors c'est vrai que moi, j'ai commandé en plus les tampons encreurs hein, Incolor. Couleur vraiment très, très jolie, très pétillante, très vive. Là, franchement, là, j'adore. Donc... les Incolor, hein, pour info, hein, ce sont des tampons encreurs hein, qui sont disponibles au catalogue pour une durée de 2 ans. Voilà, donc nous avons... Que je vous montre tout ça. Le sorbet sucré. Le carimoulu. Perruche de parade, bleu Tahiti en mer, scène stellaire et oasis d'orchidée. Voilà, donc je vais ouvrir tout ça avec vous dès maintenant. Alors, je fais un peu de place. Et on va commencer par ouvrir... notre set de tampons. Que voici. Donc je vous rappelle, en tout nous avons 20 tampons. Alors, ton amitié, mes précieuses, prends soin de toi. C'est bon, hâte de te voir. Mille merci ne suffisent pas. C'est vraiment écrit tout petit. Savoure, c'est l'heure du thé pour deux. Prenons une petite pause ensemble et merci à toi. Et puis évidemment, ces jolies tasses. Ouais, je pense qu'on peut faire des petites choses, des petites cartes bien sympas. Regardez cette petite tasse, elle est vraiment super jolie. Voilà, je vais les mettre en place. Maintenant, ça c'est un petit sachet de thé. J'aime bien ce packaging hein, chez Stampin' Up. Honnêtement, j'ai pas vu mieux. Ça permet de, en fait, de bien conserver ces tampons et puis de les repérer rapidement hein, puisque vous voyez à chaque fois vous avez le dessin. Et moi j'ai pas vu ça ailleurs. Dites-moi si vous connaissez d'autres marques dans ce style. Moi pas, hein, honnêtement. Voilà, c'est rangé. Alors, les poinçons que
que je trouve l'ouverture? Elle est ici. Ah, c'est vrai que moi, pour les poinçons, hein, j'aime bien en fait. Je garde la pochette hein, et puis je la colle hein, avec du double face derrière mon boîtier. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Évidemment, hein, nous retrouvons nos tasses, le feuillage. Oui, en fait, il y a tout, peut-être. Je regarde. Mais, oh, c'est super. Super. Donc, en tout, nous avons 17 poinçons. Voilà. Alors, la suite. Le papier de la série Design. Donc, nous avons 48 feuilles de 15 cm par 15 cm. Donc, évidemment, voilà, recto verso. C'est vraiment super joli. J'adore les couleurs. Donc, à chaque fois, hein, 4 feuilles du même motif. Voilà. Ah, les citrons. Ouais, ce sont vraiment de très jolies couleurs. Quatre aussi. Trop joli, trop joli. J'espère que je suis bien en face de la caméra. Excusez-moi, hein, souvent je suis trop concentrée. Ah, honnêtement, j'adore. J'adore toutes ces couleurs, c'est... Aïe, aïe, aïe. Ah ben, je suis super contente. Voilà, pour le papier, on va ouvrir nos cartes et enveloppes. En tout, hein, je vous ai dit 20 cartes et 20 enveloppes. Oh là là. J'adore cette collection. Ah, c'est super joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc les petites cartes qui font, je vais en plier une, hop. Alors on va dire 10,7 par, allez, 13,9, 14 cm, je ne sais pas s'ils ont les dimensions. Ça peut être les dimensions de l'enveloppe.
fait 14,6 par, on va la plier, ouais, 11,1. C'est bien, c'est finalement des dimensions tout à fait classiques. Voilà, donc là nous en avons 4 comme ça. Comme ça, quatre comme ça, et les dernières. Voilà, c'est du papier, hein. Je confirme que c'est du papier de bonne qualité, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc évidemment, voilà, toute cette collection associée au Wincolor, hein, que je vais ouvrir aussi avec vous. Et puis pourquoi pas, on va les essayer. Donc je mets tout ça de côté et je vous retrouve juste après. Voilà, donc on va s'ouvrir nos tampons Incolor. Hein. Je vous l'ai dit, hein, ils sont dispo pendant 2 ans. Hein. Voilà, je mets tout par terre. Alors, nous avons donc sorbet sucré. Donc, si vous ne connaissez pas, hein, les encres de la marque Stampin' Up, les Stampin' Pad d'ailleurs, vous avez toujours derrière des petits autocollants. Et moi j'adore, puisque j'en mets un peu de tous les côtés, c'est-à-dire ici, ici et à l'intérieur. Donc d'ailleurs je vais vous montrer. Voilà, je prends d'abord le français. Que je positionne ici. Voilà. Je vais essayer de... Voilà. Évidemment, j'en mets un à l'arrière. Voilà, et j'en mets un petit autocollant à l'intérieur. Ici. C'est fait pour. Hein. Évidemment, là, comme je suis pas en face et que j'ai mon appareil qui me gêne, évidemment je le colle mal, mais normalement il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je me mets partout, mais c'est pas grave. Donc on va essayer. Je voulais un tapis de mousse. Alors, on va essayer les autres. Celui-ci, c'est carré moulu. Tac. Je vais essuyer ma petite tasse.
Voilà. Donc, le carré moulu, c'est fait. Alors, scène stellaire. Voici. Oasis d'orchidée. J'adore les couleurs. Donc là, on a dit perruche de parade. Joli. Et on va finir par Tahiti. Tahiti en mer, je crois, oui. Ça c'est ma couleur, je pense, préférée. Même si j'aime toutes les couleurs, celle-ci est ma préférée. Voilà, ben, je crois que c'est fini pour cette petite présentation. Non, à la limite, je vais vous découper une petite tasse avec une matrice de découpe que j'ai mis ici. Donc en fait, tous ces poinçons passent dans la mini machine Stampin' Up. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, ma mini machine. Allez. Alors j'ai vu dans le nouveau catalogue en fait qu'ils vendaient une plaque magnétique hein, pour la mini machine mais aussi pour la machine classique. Je pense que j'investirai pour cette mini machine. Voilà, pour au moins essayer. Parce que c'est vrai que ça doit être pratique hein, de pouvoir fixer. Surtout les petites matrices de découpe. Et voilà. Et je voulais aussi faire l'autre. Et ici. Je vais essayer aussi. Allez.
Tac. Joli. Vous avez besoin, en fait, je pense, de ces deux matrices de découpe. Je pense que ça va être super joli avec des couleurs différentes. Voilà, vous les collez après. Je ne sais pas s'il y a l'exemple dans le catalogue. Je vais regarder quand même. Alors, c'était page 12. Voilà, ici. Voilà, bah ce sera tout pour aujourd'hui. Donc bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, à me dire ce que vous pensez de cet assortiment et puis de ces encres, de ces tampons encreurs Incolor. Voilà. Écoutez, je vous laisse, hein, je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.